Pourquoi nous vivons dans un monde physique alors que nous sommes des êtres spirituels Le monde spirituel est un monde où l'espace n'existe pas. Ça prend un monde physique pour mélanger des choses qui ne se mélangent pas dans un monde spirituel. Dans l'autre dimension, le bien et le mal ne peuvent pas coexister. Les deux sont deux forces, deux entités qui se repoussent. C'est seulement dans notre monde physique qu'on trouve l'espace pour que dans un corps, l'âme puisse expérimenter le bien et le mal. Les deux peuvent coexister pour nous permettre en tant qu'âme dans ce véhicule terrestre d'avoir le libre arbitre et de faire le choix de repousser le mal et faire jaillir le bien dans ce monde physique. Les anges n'ont pas cet avantage. Les anges ont une seule mission, une seule pensée, une seule connaissance. Il y a un ange pour chaque chose. De la même manière que lorsque nous pensons, nous avons une seule pensée. C'est la même chose pour les anges. Ils ont une seule mission. Si un ange veut connaître quelque chose sur un autre sujet, il est obligé de poser une question à un autre ange, un autre ange qui a la réponse car c'est sa mission, sa pensée, son action. Voilà pourquoi sur Terre, nous avons l'avantage sur les anges d'expérimenter dans le même véhicule physique terrestre le bien et le mal, et de pouvoir choisir le bien, repousser le mal avec notre libre arbitre, et ainsi faire jaillir la lumière dans notre monde.